Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch. Les liens sont dans la description. Tous les jours, vers 20h30, 21h, on lance un live. On joue à pas mal de jeux, on se tape des délires. Donc n'hésite pas à passer et à follow. Ça ferait extrêmement plaisir. Petite vidéo pour quelques précisions. Alors tout d'abord, j'ai fait la review que j'ai effectuée sur Shaka Arayashiki, qui arrive donc le jour où je poste cette vidéo. Après la maintenance, comporte une erreur. Alors, le Shaka ne purifie pas le debuff de Dédalos. Donc quand Dédalos vole l'attaque physique ou cosmique d'un perso, Shaka ne purifie pas ça. Il ne purifie pas non plus le stun de Moses. Donc deux choses que j'ai dit dans la vidéo où je me suis un peu trompé. Je m'en excuse, voilà, je fais mon petit mea culpa. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai tiré mes informations d'une mauvaise source. C'est vrai que j'essaie de vous faire la review avant que le portail sorte, pour que vous ayez les armes pour savoir un peu s'il faut invoquer ou non et vous expliquer un peu perso. C'est compliqué de la faire après, en fait, après que le portail soit sorti, parce que des fois vous invoquez avant et puis après vous me dites: ah, t'as sorti la vidéo trop tard, etc. Et Senseiya, c'est un jeu où il faut vraiment tester le perso avant, notamment sur la version SE1. On a la chance d'être entre guillemets la chance d'être une version qui est sortie la dernière, donc il y a d'autres versions qui ont déjà les persos et on peut les tester. Donc tout simplement, maintenant je demanderai à une autre source pour tout ce qui est des doutes que j'ai sur le perso. Et je trouverai un moyen de tester le perso avant pour vous faire la review la plus complète possible. À ce niveau là, on a aussi deuxième chose. Bah, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était rentable d'envoyer dessus. Alors je pensais que c'était assez explicite sur la vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. Mais je vais vous répondre quand même, hein. Bien sûr que ce personnage est extrêmement fort, hein. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, tout simplement un bouton is, tu l'as pas encore vu, encore une fois, il va debuff, voilà, il va debuff et puis attaque de zone gratuite, etc. Mais surtout, ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo en plus, c'est que il ne va pas revenir sur les autres portails, il ne sera pas ajouté au pool. C'est un perso à thème dédié, donc s'il n'est pas sur le portail à thème, vous ne pourrez pas le drop, tout simplement. Par exemple, Shion ou Doko, ils vont être ajoutés au fur et à mesure des pools, comme vont l'être les autres persos, comme Canon l'a été, comme Saga l'a été. Mais pour Shaka Arayashiki, ça va être spécial, ne sera pas ajouté pour le moment. Et donc, ça en fait un perso extrêmement rare. Donc, autant invoquer dessus. Après, il y a autre chose, c'est qu'il y a Poséidon qui va arriver incessamment sous peu. Poséidon qui a un SS, donc taux de drop très faible, 0,16%. Je vous conseille quand même d'invoquer sur Shaka. Après, si vous voulez vraiment viser Poséidon, vous pouvez économiser pour Poséidon. Ça sera un peu dommage, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein, si vous voulez être sûr d'avoir Poséidon, qui est extrêmement fort bien sûr et qui a un taux de drop qui est très très faible comparé à un S sur un portail. La troisième chose, c'est tout simplement que je suis en live le soir où je vais poster cette vidéo. On va faire un live à 20h. Bah, comme vous le savez, de toute façon, je fais des lives tous les jours, 20h30, 21h, la plupart du temps. Bah, là, ça sera à 20h. On va le lancer un peu plus tôt. On va farmer et puis surtout, on va invoquer. Donc, n'hésitez pas à garder vos cristaux si vous avez assez de mental pour qu'on invoque ensemble. On fera ça ce soir, ça sera assez cool, j'ai hâte. Tous les liens sont dans la description, comme d'hab. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. On farmera, on invoquera. Et puis voilà. Et puis en fin de soirée, si vous voulez rester avec nous, on fera un peu de Mario Kart vers 21h30 après avoir invoqué. Sachant que je fais pas mal de jeux sur ma chaîne Twitch et je ne fais pas que du Senseiya. Bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo rapide. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, plein de chance pour vos poules aujourd'hui, ou journée bien sûr, hein, si on est en journée. Et puis bah, je vous dis à ce soir pour le live. Ciao ciao, portez-vous bien.